Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam Sall. Naam. Al artiri en haɗo e nder nokkure. Naam. Nder nokkure kam ko holton. Nder nokkure do adde en arde do do. En ala haaji haaji e fetere nga. Mi tawde non. Ledo ko dum be weno Allah yimba o. Kanko ledo hayro wanno Allah makko. Yimba saako. Yimba saako. Masha Allah. Hitande fof hitande. Ko nangay suka debbo. Odo wa sinke kanni adda o hirsa mo do sada han inda de fop hitane den ki dan suka debbo ko do wudi suka debbo yontu den ko on jaggete kanni sinke e mudum hirse di dan mudje hayna sada kama hitane fop sendano leddi mabbe di goddo lenyol itta hikka suka debbo ko arata ko goddo lenyol ko arata ko goddo lenyol tunga mongo ko wada sadaka hitande fof hitande on suka debbo adde do jotta fi Allah ma kanyum ne her den non kale Allah ndarede ndarede on kedim on kedim dillede awa on kedim ko addu non gilande ma dun feddi say hito go famdi joni gila ay men ha jeddi gol amen men ko boyani ko singe tapama do jay ha fedde wuro go nanga hito kono waade faate salatul faate joni hitande fo nyande fof nyande subaka e kikide hito mudum wadama e mikoro no towa naara ay hawta ga ko dum won nyifude jido mayro joni sonde hon kam hito go goddo ga nani sa hon ken hito ngone ya kilo goto e fete bandira bon nani Imam Sall go haliko wana say nur nyang halde ala ko Imam Sall haali ko yidi wiidon won ji kaaje de ko kaawi sa Allah kono ye gandu sirlu yimma sako mo nanatono lamdo Tamba Boukary toro mako wala mbiyen jalang mako ko ndeɗo hayre o waɗanno ɗum sada kuuji makko o hirsanno sugaɓe rewɓe yoɗɓe yontaɓe o addu ɗumen ɗo waɗe ko watte ko o wi e yamirore en garani ɗo juurade hayre nde garɗen ko hollirde ko yen gandu hayre nde waɗi saaha so tawi yimma addi ko waɗanno waɗi ni o dillini hayre nde fodde 1 km e demi wala 2 km nanano dilla hayre bi a yimma neddi e mina gara joon non yen gandu ko duwuji ennudi itti doole hayre nde dum buri rabbi kinade e reftade fulfulti sabu futankobe enen baawa famirde non e haalama koy haalama ko tan deftami sabu saynul nyagno woyu do anda haydara kanyum refforta dum non bandiraabe on nani jihen yesu kadi ha joni heddi bo sikki do wadata nokkuji joyi yiyaade eden keddora bo sikki no foti nokkuji no wodi ko luddi ko joni dum be faale joni ba haray ko mes frères l'islam nous voilà dans le lieu sacré de Yimba Sako. Yimba Sako c'était le roi de toute cette province de Tamba. Yimba a été bâti ou bien a été vaincu par Elhadj Oumar Fouti Outal en 1851 ici à Daibak. Ici c'est là où Yimba Sako faisait ses sacrifices annuels. Chaque année, Yimba Sako prenait des filles de 16 ans, ou de 15 ans, ou de 14 ans, ou de 10 ans. Des belles filles. On les couvrait d'or. Et Yimba faisait ses sacrifices. Vous avez compris l'affaire. Mais quand Elhadj Oumar Fouti Outal est arrivé ici, Dieu a banni toutes sortes d'idoles dans la province de Tamba Boukary. Parce qu'il y a un miracle que Yimba faisait chaque année. Quand Yimba prenait un de ces pierres battait sur cette grotte, ça faisait des bruits de 2 km. C'est ce que faisait la puissance de Yimba dans la province de Tamba Boukary. C'est ce que nous avait expliqué en Poulard l'imam Sall et les habitants du village de Daibat. Daibat se trouve à 65 km de Dingiray. Et Dingiray, c'est dans le Guinée, là où Elhadj Oumar Fouti Outal a bâti la première mosquée islamique de l'Afrique de l'Ouest après les Allemands mis du Fouta Diallo. C'est là où Elhadj Oumar Fouti Outal a commencé sa première bataille dirigeant vers le Mali en allant vers Djeguembéré. Que Dieu bénisse Elhadj Oumar Fouti Outal, que Dieu nous bénisse. Voilà les habitants de Daibat qui nous ont accompagnés. Ça fait 5 sites historiques qu'on a visités aujourd'hui, le jour de samedi 24 juin 2023 ici à Daibat. Mes frères islam, que Dieu bénisse sur les traces de la Oumar Fouti Outal. Je vous avais promis que chaque année, chaque mois, chaque seconde, chaque jour, Thierno Saïdou Niang va
suivre les traces de notre maître spirituel Elhadj Oumar Fouti Tall. Et Dieu nous bénisse. On diaram.